Coucou, c'est Ange féminin masculin 2 sur les Sims 2 chez la famille scientifique. Alors, un petit rappel, là je filme donc sans mon micro-casque puisque je vous ai expliqué mon problème de son. Donc, désolé d'avance si vous entendez mes clics de souris, mais c'est soit ça, soit plus de vidéos. Donc, hein. Alors, il y a Locaturne, ou Locaturne, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, qui m'a dit qu'il y avait une récompense professionnelle qui permettait de faire de l'exercice aux enfants et que ça augmentait à mort. C'est la récompense professionnelle de l'armée, parcours d'obstacles. Donc, je pense que tu parlais de ça, hein, Locaturne. Ça, je suis vraiment curieux de le faire, quoi. J'adorais les plantes. Le GQ se chargera de vous fournir à vos plantes la quantité exacte d'humidité, d'accord, ok, mais ça fait quoi en fait? Ça fait de la créativité, mais ça rapporte du pognon ou pas? Là par contre, vous voyez un truc qui manque, c'est le fait que. Il y a des cafards! Quoi? Pourquoi? Il y a des cafards où? Oula! Où est-ce qu'il y a des insectes? Emmène-nous, mes mères, emmène-nous vers le chemin! C'est dehors? C'est là? Ah, du coup, je vois rien avec le sol que j'ai mis en plus. Ah oui, c'est devant. Pourquoi? Oh là! Ah bah d'accord, je comprends mieux. Nettoyer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je me suis enlevé. Oh, arrête de pleurer pour les cafards, mes mères. Je me suis enlevé le mode qui me permettait d'avoir la bouffe quand je voulais. Parce qu'au final, vu que je me mets ma bouffe dans mon inventaire, honnêtement, je ne fais pas autant de plats que ça. Ce que je vais faire, c'est que dès qu'il y aura, enfin, à un certain moment de la journée, le midi, le soir et le matin, bah, je me préparerai des plats, comme ça j'en aurai d'avance. Comme ça, je pourrais quand même avoir des côtes de porc le matin si je veux, ou le midi. Voilà, là par exemple, vous voyez, si je veux, je pourrais peut-être me faire des crêpes. Allez, dors. Ah bah tiens, pendant qu'il fait jour, si je faisais la déco ici. Ouais. Alors j'avais posé tout ça, mais je suis même pas sûr de vouloir faire ça en fait. Ça va pas être intéressant sinon, si c'est un espace jardin. Ouais, alors vous savez quoi? Oh, attendez. Trop d'idées, trop d'idées. Parce que je suis en train de penser à un truc. Je me suis chopé des sols hyper intéressants il y a quelques temps. Tiens, c'était des trucs comme ça. Ça fait un vrai effet haut, je trouve, c'est super sympa. Vous savez quoi, c'est ce que je vais faire. Ya, voilà. En plus, ça fait vraiment un effet avec un fond, parce que comme l'eau est très visible, on sent qu'il n'y a pas de profondeur, quoi. Donc, je trouve que limite, c'est mieux. Et du coup, je vais essayer de le reprendre pour là aussi, faire une sorte de bassin ou de... Ouais. Oh, mais j'ai plein d'idées qui arrivent, attention. Ah, oh, la bête. Coupe un objet? Ah voilà, alors ça me saoule. Coupe un objet de quoi? Coupe un objet de quoi, Golios? Y a pas d'objet. Tu as pas con. C'est pas à cause du plafond, tu vas me faire le coup que c'est à cause du plafond. Faut arrêter les conneries maintenant. Non mais arrête là, arrête. Objet de quoi? Objet de ta tronche, oui. En fait, c'est ça, il faut que je mette le plafond vraiment quand les pièces étaient entièrement finies. J'ai fait le con, je le sais en plus, hein, je le sais, hein. Ah, merci, voilà, bon. Alors, va falloir tout enlever. Bon, alors, on est revenu. Donc, alors, attendez, par contre, je vais quand même faire un truc genre. Ah, c'était pas ça que je voulais. Voilà. Vous voyez, une fois sur deux, j'ai le rond. On voit le rond de mon truc, et là, on le voit pas. Et ça m'énerve un petit peu parce que. Bah, c'est perturbant de pas pouvoir voir le cercle. Surtout pour les petites zones comme ça aurait été bien. Enfin, bon. Hein? Pas trop en demander. Alors, je sais pas si je mets des bons. Non. Non, 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 là, il faut mettre des trucs qui ressemblent un petit peu, qui font un peu extraterrestre ou qui fassent un peu différent d'habitude. C'est-à-dire. Voilà, je cherche un truc comme ça. Alors, à mettre dans la flotte. J'ai fait le bull pop, c'est un complexe pour le mettre au milieu. Parce que je pense que ça pourrait faire sympa quand même. Je tente des trucs, hein, mais. Non, c'est sympa comme ça. Non, c'est sympa, ça va là. Bah, quitte à abuser du bull prop, je vais essayer un truc. Et bon. Peut-être que ça va être un peu too much. Je pense que ça va être too much d'ailleurs, mais. Je me lance. Ouais, tout de suite, c'est vrai que ça fait mieux. Oui, ah là, oui. Ah oui, c'est sûr que ça fait beaucoup mieux là. Tout de suite, là, ouais. Il y a juste pas photo quoi, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais.
Bah, quitte à être avec les Move Objects, franchement, je crois que je vais rester avec les Move Objects, le Bull Prop Snap Objects pour la végétation, là, hein, clairement. Je sais pas comment est comme végétation. Oh, si, bah déjà, si, oui. Il est où le gros truc, là? Voilà, tiens. Pouah, bah, là, pour le coup, je trouve ça joli, hein. C'est joli, et du coup, on va mettre des fleurs. J'ai envie de mettre un truc que je vais utiliser pour le terrain, comment ça s'appelle, le terrain féerique, mais non, il faut que je me retienne de l'utiliser, parce que ça va pas avec l'ambiance. Voilà, j'ai envie de en mettre partout. Partout. Regardez, regardez, oh là là. Non, mais non, il faut pas. Ça n'a rien à faire là, par contre. Il y a un jardin, mais faut pas déconner. Par contre, ouais, je voudrais bien mettre cette herbe là, ça me... Ouais. Par contre, ça, je suis d'accord. Alors, on zoome à mort, bien sûr, parce qu'il faut pas que ça aille dehors. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon comme ça. C'est... Eh, franchement, je trouve ça pas mal. Ouais, non, je trouve ça vraiment pas mal. Une petite plantonnette, tiens. Non, peut-être pas la peine, là. Non, les plantonnettes, ça va. Par contre, je verrai encore, ouais, là, je vais voir un truc, je vais vous le dire. Ouais, ça fait jardin d'intérieur, mais peut-être que c'est... Non, peut-être que l'herbe, là, est trop abusée. Je crois que je vais virer tout ça, surtout, là, à mon avis. C'est... Je vais virer ça, je le sens, là. C'est ça qui me gonfle aussi, de toute façon. Donc, je vais vous dire, hop, voilà, au revoir. Je voulais faire un truc sur le côté, mais en fait, peut-être pas. Voilà. Peut-être changer un peu le truc, elle est sympa, mais peut-être changer la couleur, pour que ça ressorte plus. Pas mal. Ouais, pas mal, le petit rappel de rouge, de la couleur un peu... ouais, c'est pas mal. C'est bien, plus on le voit, ça ressort bien, donc c'est cool. Ça, c'est pareil, c'est pas mal. Alors, j'espère par contre que si jamais ils se relèvent de ce côté-là, c'est con, ils pourront passer, hein. Les objets, quand ils sont placés en mode Move Objects On, en mode Bull Prop Snap Objects to Grid, ils passent entre les objets, hein, donc ils sont pas si cons que ça. Alors, on va continuer vu qu'on a le truc. Je vais sauvegarder parce que ça a pris 3 heures pour faire ça, hein, bonjour. Alors, pendant que ça sauvegardait, j'étais en train de me dire, je devrais peut-être changer la couleur des rochers, en fait, pour les différencier des rochers qui sont dans l'eau. Et je me suis dit, bah, autant peut-être les mettre de couleur, voilà, ceux-là. Puisque c'est la couleur des rochers qu'on voit dehors, je me dis, à la limite, pourquoi pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Non, non, c'est bien. Allez, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Des petits buissons. Ah bah, petits buissons. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ce coin-là, il est un peu violent, hein, niveau herbe, quand même. Peut-être qu'on va en enlever une ou deux, là, ici. Le coller un petit peu plus, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu violent ici. Bah écoutez. Ah, écoutez, oui, écoutez, on va mettre de la lumière peut-être. Donc, on passe en mode nuit. Alors, attention. Point stratégique. Donc, on va en mettre un ici. Voilà. Et un là. Déjà très bien. Forcément, vers la plante, hein, puisque. Voilà, planquer aussi un peu. Nickel. Bon, ça me convient bien comme ça, limite, hein, pas besoin d'en mettre ailleurs. Hein. Là, je suis sûr que... De toute façon, ça va être un bon test pour savoir si elle peut passer. Je suis pas sûr, hein, donc on va voir tout de suite. Mimer, viens nous voir. Viens nous dire si tu peux passer. T'as intérêt à nous dire que tu peux passer. Hein. Ah, c'est bon. Alors, attends, si tu fais tout le tour, c'est bon. Genre là, tu peux y aller. Pour admirer ça. C'est bon. Ouais, nickel. Génial. Bon, bah, c'est très bien. Super. Je suis trop content. Attends, parce qu'on est un peu trop au sol, là. Voilà. On mettra à hauteur de Sims, quand même. Donc, voilà ce que ça donne. On rentre comme ça. Ouais, ça fait un petit jardin d'intérieur, quoi. Alors, j'aurais peut-être pu mettre des arbustes ou des trucs comme ça, mais... Ouais, je vais en rajouter. Je sais ce que je vais faire. Je vais en rajouter. Ouais, ouais, je vais en rajouter, parce que c'est vrai que ça manque un peu de hauteur, en fait, tout ça. Ça fait un peu trop... Bon, je ferai ça hors caméra, on verra si ça marche vraiment. Et sinon, voilà, on fera ça hors caméra, quoi. Non, mais je peux pas m'amuser ici. Il faudrait que j'ai une activité de groupe ici, ou un truc pour m'amuser. Non, un truc de muscu, limite. Oh, ouais, faire la gym ici, pourquoi pas? Bah, carrément, d'ailleurs. De toute façon, si ça déconne, hein, je verrai. Bah tiens, on va faire l'exercice pour voir. Oh, non, mais regarde pas le plafond, mais merde, on a compris que c'était joli, mais ça va. L'environnement, c'est pas mal ici ou pas?
Bon, bah, carrément, regardez comme ça monte. Alors, est-ce que si. Oh, le gamin, il est revenu! Mon Dieu, où est-ce qu'il a posé? Où est-ce qu'il a posé ses devoirs? Oh la merde! Oh la merde! Oh, pile poil dans l'entrée, génial! Il va pas être con, ce gamin. Par contre, la distraction du môme, le pauvre! Mon Dieu, mon pauvre, j'avais pas fait gaffe à l'heure. Il était pas super distrait quand il est parti? Ouais, ça doit être ça, parce que c'est pas possible, là. Mémère! C'est bon, mémère? Oh là là, oh là là, c'est pas un avion, hein, c'est un bateau, mais enfin bon. Les bruitages, c'est rigolo quand même. Moi, j'adore. Oui, ça fait très con d'avoir ça là, en fait. Hein, mais... Oh, il a une forte fièvre. Bah merde, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Par contre, Pépère, tu reviens, tu rapportes pas de pognon. J'ai pas vu le pognon arriver ou quoi, moi? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi c'est crade comme... C'est qui ça? Oscar Millet, alors ça fait longtemps que je l'avais... J'avais jamais vu des gosses passer. Non mais, oh, on va appeler les insectiseurs. Alors, on paye de la désinfection. Ça prendra 2 secondes, franchement. On va pas se gêner. Oui, on s'en fout. Ça pourrait coûter 300 euros, tant pis, c'est pas grave. On en a besoin, parce que là, c'est pas possible. Ils arrêtent pas de faire ça. Pourtant, ils ont nettoyé la poubelle. Je comprends pas pourquoi ça pose problème, là. Oh. Oh là là! Ah oui, non mais regardez tout ce qu'il y a! Mon Dieu! Ah, ils sont crades! Mais ils sont énormes! Ou alors c'est à cause de la nuit? C'est avec le sol que j'ai mis, ils ressortent grave. Ça fait très insecte extraterrestre qui... Oh là là, c'est un peu flippant quand même. Là, je sens quand même que ça galère un peu du chion. Bon, faut dire que là, en plus, je me suis fait plaisir niveau propre, c'est un peu object red, donc forcément. Ah oui, c'est vrai qu'il est fatigué, Pépère. Faut pas que je lui fasse faire de l'exercice. Il est malade. Je suis débile, moi. Il crache ses poumons, là. Bon, c'est bien. Tout le monde se parle. C'est cool. Oula! On a encore des désirs. Ouais. L'énergie, il a du mal, hein. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est que là, ils sont trois à parler, donc ça va être relou. Le gamin, il est dans un état de merde. Mais forcément, ils prennent littéralement 2 heures Sims pour manger. Évidemment que c'est la merde. Oh là là, le pauvre. Allez, discuter, papoter. Oh, il crache ses poumons, le pauvre. Le pauvre. Bon, elle est finie. Oh là là. Non, attends, ton gamin, il veut te parler, là, il est fatigué. Attends, non, 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 mais parle avec ton gamin, parce que là, il n'en peut plus de l'énergie, là. Allez. Allez, Voldemort. Voilà, ça lui fait des points en plus, c'est cool. Oh, faire ses devoirs et après, demander l'aide des devoirs. Ça va être très bien, tout ça. Aïe, ouïa, oui, ouïa, mes couilles. La famille de Cassos, là. La famille dans un état de merde. De toute façon, fais voir. Maintenant qu'elle est célébrité de la cuisine, je crois que je vais lui faire changer de boulot, en fait. Hein. La carrière flemmard, pourquoi pas, ouais. Eh ouais, parce que je voudrais absolument avoir ce VG Sims, je sais pas quoi, là. En plus, VG Quid, je pense que. VG Kid, je pense que ça serait nickel pour le. Bah, je le mettrais même ici. Là, ça aurait totalement sa place ici. Donc, ouais, je le verrai bien. Allez, hop, je l'enlèverai quand j'aurai le VG Kid, mais c'est pas. Bah, du coup, Alors, attends, parce que si j'y vais maintenant, fais voir. Ouh là là, attendez. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir un travail. Donc, cours en haut, mes mères. Et chercher un travail. Politique, non. Force de l'ordre, non. Sportif, non. Mage, non. Roi, non. Oh putain. Bon, bah, faudra voir ailleurs. Faudra voir plus tard, tant pis, on verra plus tard. Bah, faudra voir dans le journal déjà, si ça se trouve, il y sera. Alors. Les insectes, ça a l'air d'être parti, non? Par contre, les arbres à cimes flouzes, là. Ils sont morts. Je me suis dit, il faut que je les arrose. J'étais en train d'y penser. Ils sont tous morts. Oh la merde! Quel con! Et ouais, j'avais oublié de les arroser.
Oh là là, oh là 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 là. Oh, c'est la catastrophe là. Alors, allez. Allez! Ça y est, ça. C'est quoi le problème dans cette famille, c'est quoi le problème? Hein? Sérieusement? Oh! Le problème, c'est qu'il y a encore ça depuis le début, j'avais même pas fait gaffe. Non mais, ouvre tes yeux, hein. Ouvre tes yeux. Oh! Carmen, bonjour Carmen. Trouve des insectes encore ou pas? Ah ouais, il y en avait grave en fait. Ah bah je sais que c'est dégueulasse, mais enfin bon. Grâce à moi, c'est vraiment la voix que vous donnez le cafard. Ouais, c'est ça. Par contre, tu peux te casser maintenant. T'es pas obligé de regarder chez nous quand même. Il y a le plat ici, ça va me mener des bestioles encore. Bon, j'ai compris. Mais mère, elle va avoir du boulot là. Hein. Oh, putain, il va avoir plein de points de désir, le gamin, entre demander de l'aide aux devoirs et faire ses devoirs. Ouh la vache! Il va avoir la jauge à mort là. Oh, il y a un nouveau membre de la famille. Et parler à un proche. Bah, parle-lui, hein. Discuter, papoter, allez hop. Il a une forte fièvre. Putain, t'as contaminé ton gosse. Bravo, Cal. C'est bien, ils interagissent bien tous les deux là. Oh là là, il a des fesses, pépé, regardez ça. Regardez ça comme c'est beau ça. Oh là là, oh là là. Allez, divertir, pépé. Divertir à blaguer. J'aime bien comment il rigole. Bon, puis après. Alors, le gamin, il veut se distraire. Qu'est-ce qu'il va faire pour se distraire? Parce que sa distraction n'est pas si basse que ça. Bah, tiens, des points de physique ou des points de créativité. Oh, créativité, il est que 2 points. Je pensais que je lui avais fait faire plus de créativité quand il était membre. Donc, non, créativité. Allez. Oui, bon, c'est pas. C'est le père qui va faire ça. Par contre, si tu fais tout le tour, on n'est pas dans la merde, hein. Je crois qu'ils font tout le tour. Ah, mais c'est pour ça que ça prend 3 heures, en fait, là. Ouais. Alors, flemmard. Y a pas. Y a pas. Ok, bon, bah, tant pis. Tant pis! Ah, j'ai gagné un point, super. Très bien. C'est bien, gamin, c'est bien. Tu es sur la bonne voie. Il a encore gagné un point? Mais il est super rapide pour apprendre les trucs, lui. Bon, ok, il était que au niveau 3, mais enfin, quand même. Dis donc. Bon, il reste après un arbre. Ok, très bien. Par contre, je pense qu'il va falloir vider la poubelle, là. À mon avis, elle va être bien remplie, là, avec tout ce qu'on a jeté. Non? Bah, dis donc. Il n'arrive pas à gagner des points, le gamin. Mais c'est pas possible, c'est un G. Mais regardez! Il a gagné 3 points en 2 heures, Sim, j'ai l'impression. Enfin, en peu de temps, là, la vache! Il est surdoué ou quoi, le gamin? Tiens, on va te faire lire, on va te faire apprendre un truc, du coup, vu que t'es bien. Bah, tiens, nettoyage. Allez. Étudier, nettoyage. Est-ce que ranger les livres, ça lui fait faire du nettoyage? On va voir. On va voir. Étudier, nettoyage. Non, ranger les livres pour voir si ça remonte. On va voir. Oh, ranger les livres! Je peux pas ranger les livres? Tu m'expliques pourquoi? Parce que je connais pas assez la... D'accord, je pouvais pas ranger les livres. Je comprends pas toujours pourquoi certains Sims ne peuvent pas faire... Voilà, ils ne peuvent pas faire des actions, mais là, j'ai pas trop compris le délire. Et puis, on va se quitter sur ça. Hein. Bon, il se sera pas passé énormément de choses. Mais bon, au moins on aura fait la déco d'ici, et puis on aura un petit peu vu le gamin évoluer. Bon, pendant une journée, hein, c'est pas énorme, mais enfin voilà. Donc ouais, le but prochain, ça va être que Mémère, elle, puisse avoir la récompense professionnelle de Flemmard, le VG Kid. Je suis curieux de voir si on peut avoir de l'argent avec, je crois pas, mais ce serait bien, mais je pense pas. Je sens que je vais être déçu, mais enfin bon, c'est pas grave, au moins. Ça sera un objet qui, pour le coup, convient bien en plus à l'ambiance du terrain, donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Étudier, nettoyage, voilà. Et puis, on va se laisser sur ça.
Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!